température au Fortress Stadium est en deçà du plafond. Mais le Striker, on le fait sacré. Le feu sacré. Repli. Et belle coordination. Comment appelleriez-vous cette danse de célébration, Brenda? Eh bien, je dirais peut-être le fan des neiges. Ouais. Oh, les Super Strikers en force. Spenza. Super match, vieux. Merci, mon pote. Dis-moi, t'aurais un siège de libre dans le Strike and Jet pour aller au Coldron? Chaque fois qu'on vous suit en extérieur, Fran devient un petit peu... comme ça. Allez, on a une planning chargée, les gars. Steve, lâche le portable. Spenza, arrête de parler et... Oh, salut, Shex. Et est-ce que quelqu'un pourrait me réveiller, Sandra? Vois le bon côté des choses. Au moins, tu seras pas en retard pour le match. Merci, super. Spenza, on bouge. Bon baiser de Ferratuvia. Super Strikers. J'ai hâte d'être dans le Strike Gadget. Confortablement assis. Avec ce qu'il faut pour prendre soin de soi. Je suis même impatient de retrouver nos bonnes vieilles lasagnes. Yo, mon frère. Salut, mon pote. Désolé, mauvaise météo. Aucun avion ne peut décoller. C'est pas vrai, mais comment est-ce qu'on va faire? Ben, Spenza et les supporters vont jusqu'au Coldron en bus. Ferratuvia n'est jamais qu'à une journée d'ici, par la route. Attendez, les gars, c'est juste qu'un tout petit peu de neige. Ouais, c'est pas comme si le Strike Gadget risquait de geler en plein ciel. Tous dans le bus. Bienvenue au petit live vidéo d'El Matador. Percez avec moi les mystères qui entourent vos joueurs préférés. Le seul vrai mystère dans ce bus, c'est combien de temps avant que Klaus demande la pause pipi? Oh, arrête, Norse, c'est pas si souvent. Oh, si, très souvent. On prend même des paris sur le temps qu'il va falloir attendre. Je vais dire 7, c'est mon chiffre porte-bonheur. Hein? El Matador, tu veux nous rendre aveugles ou quoi? Eh, hey, il faut que mon streaming soit parfait, d'accord, Shakes? Salut, Spence. Alors, comment ça se passe, ce voyage dans le Strike Gadget? À vrai dire, notre avion est cloué au sol. On y va par la route, exactement. Oh, quel dommage, mon pote. J'aimerais vous dire que vous allez profiter du paysage sur la route. Mais... allez, on se mêle. On a 47 secondes de retard sur le planning. Je dois te laisser, bye. Par pitié, quelqu'un pourrait-il me réveiller, Sandra? Un guide routier? Je pensais pas qu'on utilisait encore ces trucs. Vous quittez actuellement les Alpes. Merci de votre visite. Le GPS, Coach Beck. Vous entrez à présent en Ferratuvia. Ouais. Bon, ça me paraît assez évident, là où ça... Il attend quoi, ce groupe de corbeaux? Un meurtre. T'as quoi? Sérieux? C'est comme ça qu'on dit une volée de corbeaux en anglais. A murder. Ce voyage en bus est d'un ennui mortel. Alors je lis un dictionnaire franco-anglais. Coach, j'ai besoin d'une petite pause toilette. Qui a misé sur 10? Ça blague. On dirait bien que je suis pas le seul ici à avoir des problèmes de flux. Oh, et... Je suis pas sûr d'apprécier l'endroit. C'est carrément flippant. Ah! Dites-moi que c'est pas vrai! Quelle espèce de monstre sans cœur oserait mettre ma figurine au milieu des produits en solde? Mon sommeil a été troublé. Par ce magnifique réveil du Grim FC, tout choupinois en vente pour seulement 3,99$. Y a erreur sur la cible, mon fils. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ceci? C'est une horrible. Ça ira. Ok, fini, hein? On peut partir d'ici. Rapport au fan club. Nos mouches sont prises dans notre toile. Étoile à 4,99$.
C'est El Matador qui vous parle et qui vous donne son avis sur le magasin de souvenirs des Grimm. Sa schlingue, le vendeur est désagréable et fait peur, et la figurine El Matador est bradée bien en dessous de sa valeur. Waouh, le live en continu d'El Matador est trop cool. On a vraiment l'impression d'être avec eux en permanence. Tu sais, Steve, on n'est jamais que 3 heures devant eux, là. Oh, votre repas est avancé, mes chers maîtres. Nosferatu via burger, goulash, macabroni au fromage et une pizza avec de l'ananas. Ah wow. Est-ce que tout ici tourne autour du thème des monstres ou quoi? Le temps imparti pour manger est terminé. Vous avez 30 secondes pour finir vos assiettes. Plus que 25 secondes. Maintenant, on saura que la chose la plus terrifiante à faire à Tuvia, c'est... Attends, attends, ouh, ouh, ouh. Wow, il est carrément flippant, ce terrain. Tu l'as dit, mon frère. Cet endroit est parfait, messieurs, parce que je viens de mettre au point une stratégie d'attaque qui leur collera la frousse de leur vie. Mais pour que ça fonctionne, Klaus, Shex et El Matador... Il faudra faire preuve d'une parfaite coordination. Ok, problème. Ouch. Ouh, ouh, ouh. Très drôle. À présent, tenez-vous prêts pour la tresse. Problème. Je crois que oui. Du papier toilette? T'es sérieux, mort? Désolé, Fang. Mon vrai costume de momie est au pressing. Ne t'inquiète pas des super strikers, Claudia. On ne leur offrira pas l'occasion d'utiliser cette attaque contre nos Grimm adorés. Les pompes sur une seule main peuvent être très dangereuses entre de mauvaises mains. Pardon. Hein? Où est passé mon réseau? Mon GPS ne fonctionne plus non plus. Quelle chance qu'on ait un plan sur papier. Coach, les pages qui nous intéressent ont été arrachées. Je suis en déplacement, laissez un message. Toujours pas moyen de joindre Chase. Peut-être qu'ils n'ont pas de réseau. Le live en continu d'El Matador ne diffuse plus rien. Mais on a pris la même route. Et on n'a jamais eu aucun problème. Ils vont bien. Coach a une feuille de route encore plus précise que la mienne, croyez-moi. J'en sais rien, les amis. Pas le temps de s'inquiéter, Spence. Parce que notre temps de sommeil imparti commence maintenant. Tout ça n'est pas si mal. Une nuit à la Belle Étoile renforcera votre cohésion pour jouer face aux Grimm. Comment voulez-vous que je me repose? Y a pas de clim, pas de room service. T'es jamais parti faire du camping quand t'étais gosse? Du camping? C'est quoi ça? Tu sais, dormir à la Belle Étoile. Cuire la nourriture au feu de bois. Chanter autour du feu. Vous racontez tout ça pour me faire peur, c'est ça, hein? Ah, c'est le camping! J'attends cet endroit. Y a des toilettes? Tout autour. Démarrez, coach mec. J'essaie. Mais la batterie est morte. Non,
Ne tirons pas de conclusions trop rapidement. Il peut y avoir des milliers de raisons pour que les batteries soient... Sarkin, bonsoir. Attendez-moi. Cher Fan, si jamais vous voyez ça, on est perdu au milieu de nulle part. J'ai trop peur. En plus, cette lumière doit me faire une tête monstrueuse. Comment t'as fait pour entrer, mon pote? Waouh, c'est quand même super flippant par ici. Ouais, enfin, c'était qui? Quoi? Ce truc? Écoutez, messieurs. J'ignore vraiment ce qui se passe. Mais la seule chose qui me fasse vraiment peur, c'est d'être battu par forfait. Il faut qu'on puisse jouer ce match. Bon, pitié, il est où, notre pitié? Vraiment, c'est pas là. On est perdu, je te dis. Je crois qu'on n'est pas prêt d'arriver. Je commence vraiment à détester ces oiseaux. Non, non, on ne peut pas s'arrêter là. C'est pas sur le planning. On va être en retard pour le match. Oh, Spencer! On est toujours sans nouvelles de Shakes. On devrait partir à leur recherche. J'en sais rien, Spencer. Il n'y a aucune garantie qu'on les trouve. Eh, ça va chambouler tout mon planning. À quoi ça sert qu'on arrive à l'heure pour le match si on n'a pas d'équipe sur le terrain à supporter? Oh! Chut! Ok, messieurs. Je crois avoir trouvé où nous sommes. Je me fie pas à un plan dessiné à la main. Bien, tu peux rester ici. Et attendre qu'une bonne fée t'indique quel chemin prendre. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi borné? Ce n'est pas moi qui suis borné, c'est toi qui es borné. Je sais. Ici, aujourd'hui, une chanson de camping. Prononce pas ce mot. Lequel? Camping? Arrête! Camping! Les équipiers commencent à vouloir se battre entre eux. Alors je vous laisse un dernier message pour que vous sachiez. Je n'ai rien à voir dans tout ça. Je vous avais dit qu'on retrouverait notre route. Tu avais tort, Dancing Rasta. C'est pas pour casser votre enthousiasme, coach, mais... On est revenu au point de départ, là. Je peux plus te supporter. Je vais te découper et en faire une tasse. C'est vraiment ridicule. Quelqu'un veut un petit déj? Arrêtez de me crier dessus. Arrêtez de me dire arrête. T'es certain que vous allez pouvoir jouer après avoir passé une nuit pareille? Disons qu'on aura certainement besoin d'avoir toute l'aide sur laquelle on pourra compter. Bon, t'as entendu, Shex? On va entrer et faire du bruit! Sandra, marche plus vite, tu as 3 minutes pour arriver à ton siège. Sandra, réveille-toi, le match va commencer. Ce sont les baïes. Bienvenue à Ferratuvia. C'est jour de match les au Colron. Les Superstrikers ont été dans une forme époustouflante ces derniers temps. Mais les Grimm savent instiller la frayeur dans l'esprit de leur adversaire. Et pas seulement l'équipe, Brenda. Regardez les supporters. Grimm. Qu'est-ce qui était prévu au programme, là, Steve? El Matador! Vas-y! Je m'en charge!
Tu l'as loupé. Là, c'est pas marrant du tout. On s'en fan. Tu es où? Allez! À l'aide, que quelqu'un m'aide à sortir! Faites-nous sortir! Oh. Sérieusement, Sandra? Ah! Qu'est-ce qui se prépare? Vous êtes prêts, les gars? Et les grands temps d'en finir, non? Je crains que la ferveur des supporters de Grimm soit trop lourde pour les Strikers. Peut-être pas le son, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils nous pompent l'air, leurs supporters. Non, mais attendez, vous voulez que je monte à l'attaque, moi aussi? Il vous suffit de rester à vos places. Pour ça, faudrait que tu tiennes tes marques, toi. C'est bon, Oh, coach. Tout le monde, assis. Tous les trois, vous maîtrisiez la tresse à l'entraînement. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je vous adore, les gars, seulement. Deux jours coincés dans un bus avec vous, c'était... Un comme se fait arracher une dent. Je sais. Et je vous parle même pas de cette horrible épreuve qu'était le camping. Chose est dans la forêt. C'est Chose. C'était des supporters de Grimm. Est-ce que c'est... Oui, ils ont piqué la batterie. Ah, je vous l'avais bien dit que c'était pas de ma faute. Écoutez-moi, les mecs. On nous a piégés. On a été victimes des sabotages. Oh, je vois. Il faut que je filme ça. C'est bon. Mais on va aller sur ce terrain et gagner ce match malgré tout. Pas pour le score, ni même pour nous, mais pour les fans. Parce que sans leur soutien, nous ne serions même pas arrivés ici. Alors, donnons-leur l'occasion d'être fiers de nous. Super Strikers ont rempli des portes pendant la pause. Et de pour les avant rouges, leur supporter aussi. Super Strikers. Super Strikers. Mais nul ne crie davantage que les cris ont de Mais la menace continue de peser sur le gardien des Strikers. Allez, les gars, on a besoin de vous. Super Strikers. Allez, plus fort. Wow, les Super Strikers donnent absolument tout ce qu'ils ont. Je crois que c'est le moment de sortir notre arme secrète. Sandra? Mais elle pionce en permanence. Ça, c'est pour pouvoir économiser son énergie. Sandra, les Super Strikers sont en train de perdre. Super Strikers! Ça fait chapeau. C'est du feu.
Drive, on continue du grand El Matador. On est dans les Strike Gadget. Steve, c'est l'heure du dîner, là. Les célèbres lasagnes du Strike Gadget. Alors donc, c'est comme ça que vous voyagez, James? Ouais, je crois qu'on vous devait bien un petit tour en avion. Bienvenue chez les Grilles Surprises. Ya, ya, où sont les toilettes? Mon petit équipier doit faire un petit pipi. Rapport au fan club. Nous avons des mouches prises dans la toile. Nos toiles sont en vente pour seulement 4 dollars. Quoi? Quoi? On en a vendu une? Oh, on a enfin vendu une toile! On a vendu une! J'en reviens toujours...